الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا البارحة ماذا قال الإمام اللغوي الزجاج في قوله تعالى: إياك نعبد. قال: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، المراد هنا أقصى الطاعة، أقصى الطاعة، الطاعة مع الخضوع أي أقصى الطاعة. Alors, Zajjaj, parmi les grands linguistes dans la langue arabe, il a dit au sujet de l'aya, في الفاتحة, إياك نعبد. قال: نعبد, ça veut dire on obéit avec l'humilité, c'est-à-dire l'obéissance complète avec l'humilité. ويقال هذا طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطأ. Il a dit, on dit, un chemin معبد s'il est vraiment dressé, bien piétiné, et que le fait de bien marcher, il est bien dressé par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont marché au-dessus. ومعبد إذا كان مطليا بالقطران. بهذه الأيام نستعملها لما بيكون في عليه زفت، نقول طرق معبدة معبد. Si on a mis au-dessus de sur la route de l'huile qui sort du pétrole là, et on dit al-qatran, alors on dit, on utilise le mot معبد, qu'il est bien dressé, il est bien dur. فمعنى إياك نعبد نطيع الطاعة التي يخضع معها. Alors il a dit, إياك نعبد, ça veut dire on obéit à toi avec l'humilité. والزجاج هذا إمام في اللغة مصري, c'est un grand linguiste de l'Égypte. ونقل هذا عنه اللغوي الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. الأزهري, il a rapporté qu'est-ce qu'il a dit الزجاج au sujet de نعبد, إياك نعبد, قال الطاعة مع الخضوع. والأزهري من كبار اللغويين. كذلك قال مثلهما الفراء. الفراء أدي كم لدو كم الزجاج وكم الأزهري. وقال بعضهم العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. Certains parmi les linguistes ont dit العبادة c'est l'extrême humilité, l'extrême humilité et recueillement. وقال بعضهم نهاية التذلل كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين. On comprend de la parole de Zabidi, خاتمة اللغويين, il a dit العبادة نهاية التذلل, l'humilité absolue ou l'extrême humilité, l'extrême humilité. هذا الذي يستقيم لغة, وكل هذه المعاني ترجع إلى إيش؟ أقصى غاية التذلل, أقصى غاية الخضوع. Tout ce qui a été dit, ça revient que العبادة c'est l'extrême glorification, c'est l'humilité absolue, c'est l'extrême dans l'humilité. وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله, وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. Seulement le fait que des fois la personne il se montre humble ou il montre certaines humilités envers certains. C'est pas seulement ça, c'est de shirk et de kufr. Parce que sinon, il y en a beaucoup de gens qui font une certaine humilité devant les rois. Est-ce qu'on va dire ils ont mécru? وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله, إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطاركتهم. البطاركة في ذلك الزمان هم القواد للأساقفة وللبطارقة, كانوا يسجدون, وأنت أولى بذلك. فقال: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Alors on parle que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il est venu du Sham, il s'est prosterné pour Sayyidina Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad était étonné, il a dit, mais c'est quoi ça? Mahada. Il a dit, ô messager de Dieu, j'ai vu les gens dans les pays des Cham, ils se prosternent pour leur patriarche, pour leur chef d'église. À l'époque, c'était comme des commandants. Et il a dit, et toi, tu es prioritaire. Sayyidina Muhammad a dit, ne fais pas ça. Si j'allais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'allais ordonner à la femme de se prosterner pour son mari. لكن الرسول ما قال له أشركت. Mais le messager de Dieu عليه الصلاة والسلام n'a pas dit pour Mu'adh, tu as mécru, tu as fait shirk, pourquoi tu t'es prosterné pour moi. لأن النبي عرف أنه يريد بهذا إيش التحية على التحية التحية له لم يريد العبادة مع أن السجود من أظهر مظاهر التعظيم. سيدنا محمد a su que son compagnon a voulu le saluer avec un certain respect. Et il n'a pas voulu du tout l'adorer. Et Sayyidina Muhammad n'a pas dit tu as mécru. Et malgré que la prosternation, c'est une chose parmi les choses les plus apparentes à la glorification. Ma'an al-sujoud, mazhar kabir min mazahir al-tathallul ou al-ta'zim, al-Nabi ma qala wa ashrak, l'annahu lam yurid bihada al-ibada. Hum al-an. من وضع يده على الشبيكة من نحاس أو من حديد يقول له أشركت الوهابية. Aujourd'hui, l'wahhabiyya, celui qui met la main sur la fenêtre là où on adresse le salam à Sayyidina Muhammad et lui dit tu as fait le shirk. Il soupçonne celui qui est en face en train de faire dua, il soupçonne qu'il est en train de faire shirk. Mais non, mais lui, il est dans une place bénie, il demande à Allah Ta'ala. Il n'a pas donné le dos au prophète alayhi salat wa salam. Hada huwa. Yani. Chouf li min l'am yahki hon. Asma'on. Bas khud li asma'on. Ma bik fi. Alors c'est pas seulement tu fais dua et tu dis le prophète en face de moi, je ne vais pas lui donner le dos. Comme l'imam le jumu'a lorsqu'il fait dua, son dos il est vers le qibla. Tu vois, alors c'est pas toujours que ah, prends le qibla. Même si tu n'as maintenant, moi, si je fais dua, le qibla il est derrière moi. C'est pas mauvais. Mais si toi, tu es seul, tu es dans une position et tu as fait dua en étant dans la direction de le qibla, c'est mieux. Mais encore, c'est bien de faire dua même si je suis dans cet état. والذي يدعو ومقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء ببعير فسجد له فقال له أصحابه يا رسول الله سجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال اعبدوا ربكم يعني اسجدوا لله ربكم وأكرموا أخاكم أكرموا أخاكم أي أكرموني رواه أحمد وإسناده جيد. Encore, on rapporte de l'imam Ahmad a rapporté avec une chaîne fiable de Aïcha radiallahu anha qui avait un groupe parmi les compagnons immigrés et auxiliaires. Et un chameau est venu et il s'est prosterné devant le prophète alayhi salat wa salam. Alors, les compagnons ont dit ô messager de Dieu, les animaux se sont prosternés pour toi, les arbres aussi. Nous sommes prioritaires. Alors le prophète alayhi salat wa salam a dit "Abudu rabbakum", c'est-à-dire prosternez-vous pour votre Seigneur et honorez votre frère. Yani, il parlait de lui-même. Rapporté par Ahmed. Wa qalu yani qawluhu akrimu man huwa basharun mithlakum wa akrimuhu lima akramahu Allah wa ikhtarahu aw hayli, c'est-à-dire Vous honorez, puisque Allah l'a élu, Allah l'a choisi, Allah Ta'ala lui a révélé. Tukrimuna akhakum, lima khassahu Allah Ta'ala min al-wahi wa akhtarahu ala al-nas. Fahawla illazina yukaffiruna shakhsa liannahu qasada qabra al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, au qasada ghayrahu min al-awliya. Hawla ijahilu ma'ana al-ibada wa khalafu ma'alihi al-muslimun. Alors ceux qui déclarent mécréants
la personne qui vient vers la tombe de Sayyidina Muhammad pour faire dua à côté de sa tombe pour la baraka, ou qu'il cherche à visiter la tombe d'un saint et pour faire dua à côté de ça, et il lui traite mécréant ou mushrik, ainsi de suite. Ces gens-là, ils n'ont pas connu c'est quoi l'ibada, et ils n'ont pas su c'est quoi la définition de l'ibada dans l'islam. لأن المسلمين كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم سلفا وخلفا للبركة. Les musulmans au temps de Sahaba et après Sahaba dans la période de Salaf et après, ils rendaient visite à la tombe du Sayyidina Muhammad pour la baraka, pour faire dua à côté. في أي إشكال ما أحد أنكر ولا أحد اعترض ولا أحد تكلم بمثل هذا الكلام الذي يتكلم به هؤلاء إلى أن جاء ابن تيمية. Personne n'a dit quelque chose à ce sujet pour les musulmans qui visitent les tombes du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à l'arrivée de Ibn Taymiyyah au 8e siècle, et il a prétendu que le fait de voyager pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad, il a dit ça c'est haram, et il a nommé que c'est une visite de shirk. Alors il n'y a pas un musulman sur la terre qui a parlé avant lui ça, 8 siècles, 8 قرون, personne n'a dit quelque chose de pareil de ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah. Et le grand imam Taqiyuddin Subki, il a fait un livre à ce sujet contre Ibn Taymiyyah. L'imam Subki a fait un kitab s'appelle Shifa al-Saqam fi ziyarat khayr al-anam wa qala hadhihi sunnah mujma' 'alayha معلوم من الدين بالضرورة ما أنكرها أحد حتى جاء ابن تيمية بكلام لبس فيه على العوام. هو أول من تكلم، وهذا يكفيه خزيا وضلالا، وعلى هذه الفتوى عدد من العلماء أفتى بكفره كما نقل ذلك تقي الدين الحسني. J'ai dit que Subki, il a dit que personne n'a dit que le fait de voyager pour visiter la tombe du prophète عليه الصلاة والسلام c'est haram ou des shirk avant Ibn Taymiyyah. Et lui, il était au 8e siècle, c'est-à-dire 8 siècles avant. Personne n'a dit un mot à ce sujet comme lui. Et Taqiyuddin al-Husni, dans son livre Daf'a Shubhat Man Shabbaha wa Tamarrad, il a dit que cette fatwa, à cause de cette fatwa, il y avait beaucoup des imams qui ont signé que c'est de la mécréance. An hadha la yasdur illa min man fi qalbihi daghina ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa aftaw bi kufrihi. Des imams Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiya, Hanabila ont donné le jugement qu'il a mécru par ça. Amma Subki amil kitab sammahu Shifa'u Saqam fi ziyarat khayr al-anam mawjoud kitab jamil wa muhim. ولا ليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق البركة، بل المعنى أنهم يرجون أن تكون لهم البركة بخلق الله عز وجل. Lorsque toi tu visites la tombe du prophète Mohammed ou la tombe d'un saint, ça ne veut pas dire que le prophète ou le saint va créer quelque chose pour toi, mais les musulmans espèrent que Allah Ta'ala leur donne la baraka, que Allah Ta'ala met la baraka par ça. C'est parce que c'est Allah le créateur, c'est pas le prophète Mohammed, c'est pas les saints, c'est Allah Ta'ala. Mais amma anta idha dhahabt ila at-tabib wa akhadhta ad-dawa hal takun mushrik? Et si toi tu vas vers le médecin et tu as pris un tel médicament, est-ce qu'on te considère mushrik? هذا عمل بالأسباب يا أخي، هذه الأسباب الطبيب والدواء، ما هذا بخلق الله؟ الله هو الشافي، ليس الدواء يخلق شيئا. هل يعني يحكم على الإنسان بالكفر؟ Et s'il te dit oui mais tu peux aller vers le médecin et tu peux prendre les médicaments pour chercher les causes même, mais c'est Allah qui est le créateur, c'est pas les médicaments, c'est pas le médecin, c'est Allah Ta'ala, et ça c'est des causes. Et toi tu prends des causes matériel, physique, avec un médecin qui s'appelle Georges Otoni, et tu prends des médicaments des fois avec la graisse du cochon, avec l'alcool des fois, et le musulman il va vers la tombe de Sayyidina Muhammad, il cherche la cause, il cherche la cause, parce que c'est comme tu as pris un médicament et tu as été chez un médecin non musulman, lui il a été chez le prophète alayhi salatu wassalam, la place où il est enterré c'est une place bénie, c'est possible que je fais dua là-bas. Grâce à cette place bénie, Allah exauce à mon dua et qu'il me donne Allah la guérison. Ce n'est pas le prophète Mohammed, ce n'est pas la tombe.
جعلت هذا مشركا، ولما لم تجعل الذي ذهب إلى الطبيب وأخذ الدواء، والطبيب اسمه طوني واسمه جورج واسمه إيلي واسمه جوزيف مو بعرف إيش، وأخذ دواء وكثير من الأدوية بيكون فيها شحم خنزير، بيكون فيها ميتة، بيكون فيها خمر الكل، فكيف جعلت هذا يجوز والآخر حرام؟ ما الفرق؟ قال هذا سبب وهذا سبب، هذا سبب مادي وهذا سبب معنوي، وهذا السبب المعنوي يدل على قوة الإيمان أن الله قادر أن يشفيك بسبب غير ظاهر. Le fait de chercher la baraka chez les tombes des saints et des prophètes, ça c'est une cause, comme on dit, morale, dans le sens que Allah le Tout-Puissant pour te donner la guérison sans cause physique, sans prendre d'afalgan, médicaments, ainsi de suite. Allah est le Tout-Puissant pour te donner guérison grâce à ton dua à telle place. Mais c'est Allah Ta'ala qui donne. Ce n'est pas la tombe, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas les saints. C'est Allah Ta'ala qui fait. لذلك قلنا دوما أن الوهابيين ما عرفوا معنى العبادة وما عرفوا أيضا ما هو الشرك. Alors ils n'ont pas su comment définir c'est quoi l'adoration, c'est quoi le tawhid. Et c'est pour cela ils se sont trompés au niveau de définir c'est quoi الشرك. هؤلاء واقعون في التسيم والتشبيه وهذا الشرك. الوهابية c'est des gens qui attribuent à Dieu le fait de s'asseoir, s'établir. Ils disent il est au-dessus du trône. Ils disent le jour du jugement on lui donne une chaise et Allah s'assoit sur une chaise. Ça c'est du shirk, ça c'est de la mécréance, parce que tu attribues à Allah les attributs des créatures. Alors ça c'est du shirk et ça c'est de la mécréance. Mais le fait d'aller chercher la baraka en visitant une tombe d'un saint, ça ne contredit pas la religion, ça ne contredit pas l'islam. Allah Ta'ala a dit au sujet des gens de l'Kahf, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. On va faire une place pour prier à côté de leur tombe. Et il y a plusieurs avis où ils sont maintenant les gens de Ahl Kahf, mais une forte avis qui sont en Turquie. Et on a été à telle place, juste à côté d'eux, il y a une place pour prier. Alors pourquoi Allah Ta'ala nous a dit que les croyants ont dit لنتخذن عليهم مسجدا, on va faire une mosquée à côté d'eux, parce que c'est un endroit béni. Alors Allah Ta'ala nous a pas dit que ces croyants ils ont fait le shirk. قال الذين غلبوا على أمرهم, parce qu'il y avait des croyants, il y avait des non-croyants. Les non-croyants ils niaient la résurrection et les croyants croyaient à la résurrection, et le fait de ressusciter les gens de la grotte c'était un signe qui fortifie la vie des musulmans qui disent non, on revient à la vie corps et âme, parce que les autres ils niaient la résurrection par le corps. Et puisque eux ils étaient soutenus par le roi qui était croyant à leur époque, et ils étaient de cet avis, alors ils ont dit لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, on va faire une place ici pour prier, et là-bas lorsque vous allez visiter la place de Ahlka, vous allez voir une place creusée dans les roches là pour le mihrab et prier là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, alhamdulillah. Non, c'est en Turquie. Il y a certains qui disent c'est en Jordanie, mais c'est plus fort plutôt en Turquie.